الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل الإسلام نفينا غيف 11 حديث دو الأربعون النووية Alors, toujours nous lire hadith. Ensuite, nous guette un petit peu de détails biographiques, le narrateur, le sahabi, qui est rapport de ce hadith-là. Ensuite, nous guette l'explication de ben ulama, le sahadith-là. An al-Hassan ibn Ali, an al-Hassan ibn Ali, sibti Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanatihi radiyallahu anhu. Alors, al-Hassan bin Ali. Sibti Rasulillah, le petit fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanatihi, et ce parfum. Une expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui servit pour Al-Hassan. Alors, sa sahabila, les enfants du prophète Al-Hassan, radiyallahu an, li diya qal, hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa fin mémorise depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Quitte ceux qui fait toi gagner riba, doute, achak, ila ma la yaribuka. Quitte ceux qui fait toi gagner doute et alve quitte ceux qui peine à doute là-dedans. Éloigne-toi depuis quitte ceux qui n'a doute là-dedans et alve quitte ceux qui peine à doute là-dedans. Hadith rapporté par Imam al-Nasa'i et Imam al-Tirmidhi. Et Imam al-Tirmidhi, il finit un hadith qui est Hassan Sahih. Alors, un petit hadith, il y a une relation avec le hadith précédent qui nous apprend quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-halal bayyin, wal-haram bayyin, wa baynahuma mushtabihat, halal l'iklea et haram l'iklea, et entre les deux, il y a une bande quitteuse qui est ambiguë. Alors, ce hadith a une relation avec ce hadith qui nous vient apprendre précédemment. Alors, nous venons en premier avec un narrateur, ou bien sahabi, qui peut rapporter ce hadith-là, Al-Hassan bin Ali. Toujours, un détail biographique qui nous vient prendre lui depuis l'imam al-Zahabi, dans Sir A'lam al-Nubala. Un petit remarque qu'il est bon nous faire, c'est que dans l'histoire, bien souvent, il y a une quitteuse qui parfois n'est pas faite, les glisser. Il y a une narration, il y a une quitteuse qui est glissée, qui n'est pas faite, n'est pas capable de confirmer son authenticité. La cause ça, c'est dangereux, l'eau, quand nous faisons l'histoire. Il y a un petit peu dangereux faire l'histoire, et l'histoire, c'est une science d'arrière. Il y a son fondement, il y a une quitteuse qui est dans lui-même, il y a une science ça. Alors, et surtout qui, dans le passé, finit une dispute, quand nous parlons de l'Iban, nous parlons frère et mon soeur. Je t'ai lié un petit peu l'histoire, c'est quatre califes, veut dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. À partir de l'époque de Othman, finit la dissension. À partir de l'époque de Othman, finit la dissension. Dissension finit continuer jusqu'à dans Khilafa de Ali, radiallahu an. Alors, finit la partisanerie. Une partie bandit mon type support Ali, une partie bandit mon type support Muawiya. Donc, finina ça, cassure de l'Umma, Muawiya se supportait et Ali se supportait. Tous les deux sahabis, tous les deux, radiyallahu anhuma ajma'in, Allah est satisfait avec les deux. Je fais une dissension, pas la cause ben l'intérêt personnel. Je fais arriver une dissension parce que tous les deux, tu peux l'intérêt de l'Umma, mais je tenais une différente façon de voir. Alors, l'étant finina sa cassure là, l'étant ban qui vient après, il raconte l'histoire. Donc, l'histoire bien prend depuis ban Dimon. Alors, ce qu'il est partisan de Muawiya, il prend cette ban narration qui est en faveur de Muawiya, ban qui est en faveur de Ali, finina ban qui est ce qui ban Dimon fin dire, mais définir le fanatisme fin rentrer, finina ban exagération des deux côtés. Donc,
raconte l'histoire, bien être objectif. Et aussi, il y a un principe qui, si nous gardons ça en tête, jamais nous prendre de confusion. Si nous gardons ça en tête, jamais nous prendre de confusion. Un principe, c'est que tout Sahaba, c'est Ban Oudoul, c'est Ban Jimoun qui est upright. Dès le moment qu'il nous trouve une narration, puis montrer une mauvaise quelque chose de un Sahabi. Soit il fausse sa narration là, soit ça quelque chose que ce Sahabi là il fait et qu'il peut paraître mauvais, il a besoin d'une bonne interprétation pour ça. Veut dire, Sahabi là peut faire ça quelque chose là d'un autre point de vue. Donc, sa principale est tellement importante. Si un Jimoun, c'est sa position de Ahl Sunna wal Jamara envers tout Ban Sahaba. Nous disons tout Sahaba, c'est Ban Jannati. Tout Sahaba. Donc, toute action qu'ils ont fait, ils ont fait pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous venons dire, dans l'histoire, finina, sa cassure là, alors nous devons faire attention quand nous lisons certains ban détails biographiques, surtout qu'il a, quand nous pécose ou Al-Hassan, sa Sahabi là, c'est garçon de Ali radiallahu anhu. Et ce papa tient la dissension avec Muawiyah. Donc, nous devons faire attention quand nous cause concernant les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une information qui nous lie quand nous guettons, disons, nous devons prendre précaution dans le livre l'histoire concernant Al-Hassan. Alors, nous devons faire attention. Al-Hassan, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Dhahabi, dès le départ. Imam al-Dhahabi, par exemple, quelque chose qui dit Sayyidu Shababi Ahli al-Jannah. Al-Hassan, il peut décrire Hassan, ce man manaqib, ce man vertu. Al-Hassan, c'est Sayyidu Shababi Ahli al-Jannah. C'est le chef de ban jeunes du paradis. Et ça, c'est un hadith, à la base, un hadith, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Dhahabi, il dit qu'Al-Hassan vient prendre naissance dans l'année 3 Hijri. Alors, nous tous connaissons, Al-Hassan, c'est la fille de, le garçon de. Le garçon de Fatima radiallahu anha, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, c'est cousin Al-Hassan, donc des côtés, il est lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Ali, c'est cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est garçon de Abu Talib. Abu Talib, c'est tata du prophète, qui malheureusement n'est pas fini mort avec Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à Nyelea, il dit Omo tata dia la ilaha illallah. Mais Abu Talib, Allah Ta'ala, fin décrit comme ça qu'il finit quitte sa dunya là sans qu'il y ait shahada. Ce garçon, c'est Ali, donc c'est cousin du prophète. Ali, radiallahu anhu, il finit marié avec Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, Fatima, radiallahu anha, et Ali, je finis gagne, les enfants, Al-Hassan finit prendre naissance l'année 3 Hijri. 3 ans, veut dire l'année 3 Hijri. 3 ans après l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Madina. Et l'état Fatima fin gagne ses enfants, il fin amène que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui fin donner ce nom-là, Hassan. Hassan veut dire bon. Et il y a un hadith qui Imam Zahabi mentionné, An al-Bara, قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه اللهم إني أحبه فأحبه. Alors, Al-Bara'a, il dit comme ça qu'il finit trouve Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pesaillé Al-Hassan l'eau sous ses épaules. Et il finit dire, oh Allah, me compte en lui, mais compte en lui toi ici. Hadith de Bukhari et Muslim. Alors, ça, Al-Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comptes en lui, la petite-fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pesaillé Al-Hassan l'eau sous ses épaules, il dit, oh Allah, me compte en lui, alors compte en lui. Alors, ça, c'est Manzila, c'est Ahlul Bayt. Ahlul Bayt, il y a un autre statut pour Ahlul Sunna wal Jama'a qui n'importe qui les autres Sahaba. Ahlul Bayt, c'est un statut haut dans le regard de Ahlul Sunna wal Jama'a. Qala Abu Bakra, un autre hadith pour montrer toujours la vertu de Al-Hassan. Qala Abu Bakra, ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala al-mimbar wal-Hassan ila jambi. Abu Bakr a dit, je me fais trouver Rasul sallallahu alayhi wa sallam au minbar et Al-Hassan est à côté de lui. Donc, il a assisé avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam au minbar. Et le prophète peut dire, Inna bni hada sayyidun. Le prophète peut dire, divan ban sahaba, ça, mon garçon, c'est un sayyid, un chef, un leader, ça. Wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin. Peut-être
Allah lui promet réconciliation entre deux groupes de musulmans d'hommes ummat. Hadith al-Bukhari. Alors ça, c'est une prédiction, ça. Qui t'est arrivé? Comment? Qui réconciliation? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un beau garçon, Al-Hassan. C'est un sayyid, c'est un chef. Et peut-être Allah lui promet réconciliation à travers lui en des grands groupes d'hommes ummat. Alors, brièvement, comment, qui réconciliation, sa prédiction-là, comment elle devient vraie? Alors, plus tard, quand Othman, il prend pouvoir, après la mort d'Omar, nous connaissons Abu Bakr, Omar, ensuite Othman, troisième calife, Othman, il prend pouvoir, Othman finit assassiné. Il y a une dissension de ça à l'époque-là, il y a un secte qui est levé, un djimoun qui s'appelle Abdullah bin Saba, il proclame les musulmans. Il fait une activité destructive pour détruire l'Oumma depuis l'intérieur. Et là, nous faire attention, pareillement, nous avons une secte comme Kadjani qui ne l'avait pas, ben anglais, pour détruire l'islam. Alors, vous trouvez que monde peut discuter avec Kadjani pour le moment là. Alors, les bon, un bon qui se c'est qu'il nous réfute ça, Kadjani là. Mais seulement, dès le départ, un monde, nous pas fatigue nous avec ça, c'est un monde pas ce domaine ça. Attention, il y a un doute de ce l'écrire. Alors, Kadjani, c'est un secte qui tout au matin d'accord, qui c'est pas mal musulman ça. Mais n'a pas le fatigue plus la tête avec eux, ni n'a pas rendu ma discussion. Naturellement, il y a un doute qui se peut s'aimer, qui ben, du monde qui fait dans le tome là-dedans. Mais nous, donner une priorité nos connaissances. Et ça, ben là, ben égaré, c'est ben, pas seulement ben égaré, c'est ben koufar. Ben Kadjani, c'est ben koufar, dès le départ. Pas trop fatigué la tête avec eux. Alors. Ça est sa prédiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui Al-Hassan les promet à corité dans l'Ummah. Alors, il y a Othman fait assassiner Ali radiallahu anhu prend pouvoir. Othman est assassiné, Ali succède à Othman. Quand Ali lui prend pouvoir, il change tout le gouverneur qui est appointé par Othman dans l'Égypte. Dans Koufa, Basra, dans le Yémen. Pour tout côté, il y a un gouverneur qui est appointé par Othman. Ali fait une chance de qui faire. Parce qu'il pensait, Ali, il pensait qu'il savait un gouverneur là. Je finis une part de responsabilité dans la mort de Othman. Je finis laisse un groupe de monde qui préparait, je organisais, je fais un crime organisé ça. Alors, Ali peut dire bébé, sans savoir un gouverneur là. Parce qu'il ça va manigrant ça, fait dérouler les autres présences. Je fais une faillite de prendre mes mesures qui bizin pour arrêter ça va du monde là. Alors, licence tout ban gouverneur. Mouawiya, c'est cousin de Othman qui est gouverneur de la Syrie, n'est pas d'accord pour step down. Ali, j'ai dit step down. Mouawiya, j'ai dit non, moi pour step down. Mais pour continuer à être gouverneur de la Syrie, moi j'ai appointé depuis l'époque de Omar. Et moi, je reste gouverneur dans l'époque de mon cousin Othman. Mais là, mon cousin finit assassiné au Ali. Me demande-toi pour arrêter ça, ben assassin de Othman. Et Ali, tu es dans une situation difficile. Tu as un coup d'État, comment dire, pour renverser, pour tuer Othman. C'est comme si un coup d'État, ça. Pas un démon qui fait ce travail-là. Pas centaines, pas des milliers de démons rentrent dans Madina et fait des ordres. Alors, si Ali, radiallahu anhu, commence à le rendre ça, ben assassin, remettre la main aux autres, tu prends la même conséquence, tu prends la instabilité. Ali, tu as envie de temporiser pour les moments. Après, les bouquets qui vous fait. Mais Mouawiya peut presser, il peut dire non, tu as besoin d'arrêter ça, assassin là. Alors, finir la dissension de ça, là. Mouawiya pas fait rôle de step down comme gouverneur. Ali peut maintenir qu'il a besoin de step down. Alors, ça finit amène un incident qui est regrettable. Finir la guerre, c'est quand même le champ de bataille, bataille de Siffin entre Mouawiya et Ali. Ça, la guerre là, finit continue. Ali finit assassiné. Il y a un secte, un Khawarij, qui finit tuer Ali. Le temps Ali assassiné, là, suivez-moi bien, c'est-à-dire, ah, d'une très très brève, hein? Longue histoire ça. Ali assassiné, et Ali était un support de Bandimoun de l'Irak. À côté de l'Irak, nous avons la Syrie. Alors, dans le nord-est, nous avons l'Irak, dans le nord-ouest, nous avons la Syrie, de l'Arabie Saoudite, nous peut dire. Ali, radiallahu anhu, de ce vivant Bandimoun de l'Irak, tout autre support Ali. Alors que Mouawiya, lui, il gouverneur de la Syrie, Benjamin de la Syrie, il supporte Mouawiya. L'étant Ali assassiné, Ali radiallahu anhu est assassiné, Benjamin de l'Irak
je proclame Al-Hassan comme successeur de Ali, ce garçon. Garçon de Ali. Al-Hassan, ben supporter de Ali, je proclame Al-Hassan comme notre leader. Mouawiya, donc pas d'accord, il n'est pas d'accord avec Ali. Pas d'accord qui maintenant prend Al-Hassan comme notre leader, comme calife. Alors, ça, il y avait un clash entre Mouawiya et Al-Hassan. Là, Al-Hassan qui fait faire. Al-Hassan qui fait dire non, il peut step down. Les police Mouawiya prend position de calife. Il n'est pas pour penser à Al-Hassan, il n'est pas pour prendre position de mon papa. Laisse Mouawiya prendre sa position là. Et ce que je vais raconter là, basement là, Ibn Abdelbar, toujours une référence importante, qui s'en a qui peut dire qui telle parole. Ibn Abdelbar, il dit comme ça, qui même qui. Alors, vous redire, vos références, c'est Ibn Abdelbar, un de mes grands imams de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, un de mes grands muhaddith. Il dit à Ibn Abdelbar, il dit comme ça qui. Al-Hassan finit step down. Il finit, oh Mouawiya, toi te prends khilafa. Mais seulement avec une condition. C'est qu'après toi, oh Mouawiya, moi qui pouvais être calife. Alors ça c'est Ibn Abdelbar, il mentionne ça dans l'Istihab, le premier volume, page 387. Ibn Abdelbar, il dit que Al-Hassan finit Mouawiya, tu prends Khilafa, mais seulement après toi, c'est moi. Parce que Mouawiya, tu es âgé. Tu es très âgé. Et Al-Hassan, c'est un jeune. Il dit, après toi, c'est moi qui pouvais être calife. Et il dit, Ibn Abdelbar, il dit, il finit step down. Malgré qui, wa in kana inda nafsihi ahakka biha. Même qui Al-Hassan, dans l'île, il considère comme une priorité le Mouawiya pour être calife. Al-Hassan, il considère lui. Il dit 10 heures pour venir calife qui est Mouawiya. Mais c'est moi qui finis step down. Qui fait? Wara Al-Hassan dhalika khayran min iraqati dima fi talabiha. Al-Hassan finit trouver qu'il est meilleur step down. Pour éviter vers 10 ans. Pour éviter qu'il descende de mal musulman vers. Donc ça c'est grand travail qui Al-Hassan finit faire. Ça, c'est grand travail qui Al-Hassan fin fait. C'est même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire peut-être ça, mon garçon Al-Hassan, Allah, yuslihu bayna fi'atayn min al-muslimin. Peut-être pas lui, Allah, lui pourrait concilier en des groupes de Mohammed. Donc, ça, c'est concernant la vertu de Al-Hassan. Et Al-Hassan, il fait le mot empoisonné. Un dimon, il met poison. Allah, wa alam, qu'il y en a qui fin fait ça. En tout cas, c'est pas Mouawiya. Il y a un livre qui mentionnait. Qui Mouawiya, radiyallahu an, soi-disant, les fin fait empoisonne Al-Hassan. Menti ça. Jamais nous croyons qu'il se pareil. Sahabi, pas pour faire ça. Jamais un sahabi pour faire ça. C'est un grand mensonge. Dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, concernant l'amour de Al-Hassan, Ibn Kathir racontait, il dit Al-Hussein, son frère, fin vini, dans Al-Hassan de ce bandit à un moment, et pour raison que fait l'effet, le lit, il prend beaucoup de sa lumière là. Al-Hussein fait assise contre Al-Hassan sur la tête, le solili, le chuchu, mon dire, le solili amour. Il fait assise contre la tête, il dit, oh mon frère, c'est là qui finit tuer toi. Al-Hussein peut dire avec Al-Hassan, oh mon frère, c'est là qui finit tuer toi. C'est là qui finit donner poison, en d'autres mots. Al-Hassan vient répondre, il dit, mais t'as envie de tuer ça, dit mon qui fait mettre poison à mon manger là, t'as envie de tuer lui. Al-Hussein dit, oui, mais envie de tuer lui. Il dit à lui, si ça dit monde qui me peut penser qu'il finit ce travail là, c'est lui-même ça. Si me peut penser Al-Hassan, il tient un doute lui un tel. Il peut penser que ça dit monde l'a fait ça. Il dit si c'est lui-même ça, ben Allah pour prendre lui compte. Allah sa punition pour plus sévère qui toi te pour tuer lui. Laisse Allah même dire avec lui. Il dit mais c'est moi si me pour dire toi ça dit monde là te pour tuer lui, mais te parle tu un dit monde qui est innocent. Pour tuer un djimoun qui est innocent. Donc ça c'était position de Al-Hassan, le djimoun qui finit tuer lui là, et les filmo avec poison. Alors ça c'est brièvement concernant quelques bandes d'états biographiques le Al-Hassan radiyallahu an wa radiyallahu an jami'i as-sahaba ajma'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait avec tout ben sahaba. Alors nous venons avec hadith qui lui est rapporté, il dit Al-Hassan bin Ali
les dire qui mufin hafidhtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mufin mémorise depuis rasul alayhi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, quitte quitteuse dans lesquelles tu n'as doute et alve quitteuse qui te peine à doute là-dedans. Donc éloigne-toi avec ban quitteuse qui est la doute. الإمام ابن رجب لجي معنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها. signification de ce hadith là, c'est qui les retourne vers ce signification, c'est qui besoin arrêter quand il s'agit d'un ban shubuhat, ban doute, ban kitzuz ambigu, arrêter pas le tome de ban kitzuz qui est ambigu et itiqaïa, reste loin avec sa ban kitzuz là. فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريبة. Parce que quand une petite chose est halal, purement les halal, les clés qui sont halal, un croyant n'a aucun riba dans ce lequel, il n'a pas aucun doute. Et il dit riba, raib, bimana al-qalaq wal-ittirab. Quand le prophète peut dire quitte une petite chose pour qui tu n'as riba, tu n'as raib, tu n'as riba là-dedans, tu n'as un doute là-dedans. Qui veut dire raib? C'est al-qalaq, c'est instabilité de l'équipe. Veut dire qu'il y a une angoisse, qu'il y a un tracas, qu'il y a l'équipe, comme on dit, waver, comme on dit en anglais, l'équipe n'est pas stable. Quand il y a ça dans l'équipe, ça veut dire que ça crée un doute. Et un croyant, quand il y a quelque chose qui est halal, l'éclair, nous paraît sentir ça crée dans l'équipe. Un diamant, il peut boire du lait, il connaît halal, il n'a aucun doute de ce l'équipe. Tranquille, sur l'équipe, il n'a aucune instabilité, aucune angoisse quand il peut faire sa action qui il connaît qu'il est halal. بل تسكن إليه النفس ويطمئن إلى يطمئن به القلب. Quand un croyant il peut faire quelque chose qui est halal, qui est purement halal, il n'a doute là-dedans, تسكن إليه النفس. Son âme gagne tranquillité. ويطمئن به القلب. L'équipe gagne itminan, gagne tranquillité avec quelque chose qui est clair, qui est halal, ou peut faire lui. Ou pas aucun doute dans le cœur, ou pas aucun angoisse, aucun tracas. Ou amma le mouchtabihat. Quant à ban mouchtabihat, ban kitsus qui n'a doute, qui est symbole à mouchtabihat, nous avons dit le hadith précédent. Inna le halal bayin, ce qui halal l'éclair, ou inna le haram bayin, kitsus qui haram l'éclair, ou bayna huma umurun mouchtabihat. Entre les deux, il y a ban kitsus qui douteux, qui ambigu. Alors il dit amma le mouchtabihat, ban kitsus qui ambigu. فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب. Quand tu as une petite chose qui est ambiguë, l'effet dans nous qui est gagné ban اضطراب, instabilité. الموجب للشك, et ça y amène doute dans l'équipe. Un exemple, hein? Bon, vous avez un exemple qui n'est pas nécessaire pour tout le monde pareil, ni nous impose une opinion loin du monde. Par exemple, souvent, nous avons dit Kentucky, c'est pas haram. Il n'a pas dit halal, il n'a pas dit haram, il n'a dit wa Allah wa Allah. Alors, si un djimon, il peut gagner un doute avec ça, il n'est pas connu, alors qu'il y fait, il y évite. Et là aussi, nous pour dire un point encore. Nous pas, quand nous trouvons nos frères, peut faire quelque chose qui pour nous les douteux. Nous pas blâmer sa frère là. Parce qu'il pour lui capable, il peut avoir un doute pour lui. Il est confirmé, ou bien il trouve, il gagne un certificat qui est halal. Pour lui, ça suffit pour lui gagner. Les gains itminan de ceux qui ont. Donc pour nous, nous pas être trop d'accord. Nous pas imposer une quelque chose qui nous, les capables une quelque chose qui est relatif. Une quelque chose, par exemple Pepsi, dans du monde national, l'alcool, la danse, par Allah ou Adam. Alors un du monde évite les gains doute avec ça. Puis quand nous tous nos camarades peuvent boire, ils peuvent dire que ça du monde là, ils peinent à dîner dans les ça. Ils peuvent tomber devant quelque chose qui doute. Non, pas nécessaire. Peut-être pour lui, ils peuvent aucun doute là. Alors ça fallait nous faire attention là, right? Alors, donc, ce qui est en général, ce qui est une petite chose qui est douteux, nous le trouvons les douteux, alors nous restons loin avec lui. Il y a plusieurs ban athar, ban narration, ban incident qui est arrivé dans la vie, ban savant, ban salaf, comment on dit, ban prédécesseur, qui Ibn Rajab fait mentionner. Le mentionner un parmi là-dedans. Ibn Rajab lui racontait, il dit, Paul, Tanazzaha Yazid bin Zuraya. Yazid bin Zuraï, c'est un grand hafiz, un grand muhadith, muhadith de Basra. Sa muhadith-là, tanazzaha an khamsati a alfin min mirathi abihi. Sa muhadith, Yazid bin Zuraï, grand muhadith, li fin délaisse 5000
5 000, c'est pas dinar, je dis pas dinar ou bien dirham, 5 000 dépit ce papa sur l'héritage. Falam ya'khudhu. Li pa fin prend li. Wa kana abuhu yali a'mal as-salat. Li sa'amal al-a'mal li salatuin. Ce papa tu peux travailler pour une rouleuse. M'expliquer. Un dimanche, ce papa est beau. Alors, il a l'héritage qu'il a gagné. Li pa fin prend depuis l'héritage ce papa. Qui fait? Parce que ce papa, tu peux travailler avec une rouleuse. Et ça, à l'époque-là, tu as beaucoup de rouleuses qui te vont dominer. Tu peux imposer taxes, une taxe qui pas, pas supposé imposer. Tu peux faire dominer, tu peux saisir, je dis bien. Tu as beaucoup de salariés, une rouleuse qui, je type injuste. Je peux jouir depuis bien tout le mal de façon illicite. Je te fais bien tout le mal, mais comment je propriété. La cause, vous trouvez, il y a un salaire, fin écrire, comme si ma vraie maman souillotouille, fin écrire un livre, l'eau, pas le côté de rouleuse. Basan, le hadith, il y a un hadith. C'est lui qui a le côté de rouleuse, il tombe de tentation. Et il y a beaucoup de salaire, fin mettre en face, là, pas le côté de rouleuse. Parce que man rouleuse, à l'époque-là, il y en a beaucoup. Pas ça à l'époque-là, dans toute l'époque, man rouleuse, dans beaucoup d'époques, fin écrire un man qui est juste. Mais en général, je comme ça, man qui gagne pouvoir, je te fais abus de ce pouvoir. Alors, ce papa, tu peux travailler avec sa bande rouleuse, là. Alors, ça, savant-là, il a payé attention qui, ça l'a payé que ce papa, il recevoir là, les mélanger, il a l'injustice là-dedans. Il prend la paye depuis sa bande rouleuse, là. Alors, qui dans mal, sa bande rouleuse, là, il a un ben mal qui pas pour zut. Alors, ça montre, nous, qui, ça savant-là, les fins gagnent tracas. Les fins gagnent tracas. Et ce qui est chose qui est intéressant, c'est un hadith là qu'on a lié, hein, l'imam al-Nawawi sur l'intelligence, quand il vient de compiler ce hadith là. Ce hadith là est lié avec hadith précédent. Quel dernier hadith que tu fais hier? C'est concernant mange quelque chose qui est halal. Et mange quelque chose qui est halal, nous acceptation de nos bonnes a'mal, les bases, l'eau, ce qui nous mangeait. Hadith hier, explication de hadith hier. En passant, hadith hier, quand tu fais explication, tu as un petit problème, nous faisons delete vidéo là. Nous référons l'autre et nous uploadons. Alors, ben, frère, je pourrais gagner lit, toujours le nous passe. Alors, ça. Au fait, c'est un hadith qui nous fait un ayat Coran, un mot d'un ayat Coran qui nous est mal mentionné. Allah a servi le mot, toujours les bons mots, me corrige lit là. Yamhaqullahu riba. Allah lui efface l'intérêt. Nous avons servi le mot yamhu. Yamhu aussi veut dire effacer. Mais dans le verset là, il y a yamhu. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Nous nous finissons yamhaqullahu riba. Alors, ça c'est un erreur qui nous fait mentionner. Quand nous fait mentionner ça, quand nous fait mentionner ça et ça verset là, nous fait erreur ou ça mot là. Nous mentionnons yamhu. Alors, nous corrigeons là. C'est yamhaqullah. Donc, vidéo là, nous finissons corriger. Alhamdulillah. Alors, ici pour montrer nous qui. Ça va, ulama là, je tire loin avec ben quelque chose qui n'a doute. Et nous trouvons que dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, petit peu, il nous montre nous qu'il nous besoin reste loin avec manger haram, sinon nous ben un mal pas accepter. Ça, c'est ce hadith précédent. Donc, nous trouvons ça, Jimoun là, il reste loin avec sa mal qu'il fait hériter depuis ce papa. Alors, ce hadith là, nous avons Cheikh Othaymin qui lui dit, un petit peu d'explication de Cheikh Othaymin, lui dit, basant sur ce hadith, il explique ce hadith. Da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Reste loin avec quelque chose qui te fait un doute, avec quelque chose qui te fait un doute. Alors, Cheikh Othaymine dit hadha yakunu fil ibadat, wa yakunu fil muamalat, wa yakunu fil nikah, wa yakunu fil kulli abwab al ilm. Il dit ce hadith est appliqué dans l'ibadat, le domaine ibadat, le domaine muamalat, la transaction, le domaine de nikah. Le domaine de tous différents chapitres de la connaissance, ça, principe-là, les rentrées. Il veut dire, quitte quelque chose qui te fait un doute. Quitte quelque chose qui te fait un doute, là. Pour toi, vers quelque chose qui te sûre. Un exemple, quand tu peux connaître l'histoire. Il y a même quelque chose qui est raconté dans l'histoire qui ne pas connaître l'authenticité. Dans ma narration, comment nous finir, dans mon livre, l'histoire, l'Oban Sahaba, l'Oban événement. Si nous ne pouvons pas confirmer cette authenticité, nous avons un doute, là, alors nous restons avec ça, ne pas mentionner. La grosse dame en causerie, dame qui chose qui nous connaît plus cause de l'histoire, et surtout le sirah, tout ça, nous devons faire attention. Il y a beaucoup de narrations dans sirah, dans l'histoire,
Même parfois, dans le tafsir, il y a des Israéliens, il y a des petites choses qui sont moufassirines, je le mentionnais, qui sont l'origine, c'est depuis des petites choses qui sont en Nasara, des Yahoud, qui sont racontées. Alors, nous devons rester loin avec des petites choses pareilles, si nous ne connaissons pas connu authenticité. Et là, il y a des moufassirines, quand je fais une mention des Israéliens dans le tafsir, ça va narration de Bani Israël là. J'ai une autre raison que je vais mentionner. Alors ça, c'est l'autre science, ça. Mais toujours le principe, c'est que quand nous ne pas confier à une quitteuse, nous restons là avec les sujets, tout concernant Dine. Alors, Cheikh Othaymine, il peut dire que ça, hadith-là, il rentre dans différents chapitres de la connaissance. Alors, il donne l'exemple de, dans Ribadat, dans façon que ça, hadith-là, est appliqué dans le domaine de Ribadat. Un exemple, un jimoun, le matin, namaz fajr, il fait son namaz, il arrive namaz, il est namaz. C'est l'exemple qu'il veut donner là. L'imam Cheikh Othaymine, il cause le salat. Vous pouvez mettre dans vos propres mots. Moi, je vais extraire l'exemple là dans vos propres mots. Un jimoun, il fait namaz fajr, il arrive, il est namaz zuhar. Et il peut faire la main Zohar. Il n'est pas connu si pas les besoins référents parce qu'il n'est pas dans la toilette, ni il n'est pas connu si pas il n'a aucun, il n'est pas sûr si pas les vins passent divan. Et il connaît qu'il n'est pas fini dans la toilette, pas fini à accomplir aucun besoin. Est-ce qu'il est besoin référents? Est-ce qu'il est besoin référents? Alors, je vais vous faire dire, il est sûr qu'il tient à oiseau pour la main Zohar. Mais est-ce que ce oiseau fin cassé veut dire ça, c'est doute. Est-ce qu'il m'a fait une cassée? Pas connu. Est-ce qu'il fait une passe divan? Et il connaît qu'il n'est pas fini à la toilette. Il est sûr qu'il n'est pas fini à la toilette. Mais il ne connaît pas ce oiseau fin cassé. Alors, ça dit mon là qu'il fait. Il qui doute, quelque chose qui doute là-dedans. C'est parce que l'oiseau fin cassé, ça doute. Il tient à l'oiseau dans le fajr? Oui, ça, il est sûr qu'il tient à l'oiseau dans le fajr. Donc, il considère lui dans l'état de oiseau. Il considère lui même dans l'état de oiseau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est sûr. Parce qu'il doute là, il n'est pas venu enlever sa certitude-là. Donc, basalola, il y a un principe qui va savoir se tirer dans fiqh. On appelle ça un qari d'affiqhiyya, un principe de fiqh. Al-yaqin la yazoulu bishak. La certitude n'est pas enlevée par le doute. La certitude n'est pas enlevée par le doute. Du moment là, il est sûr qu'il est matin à Malfadja, il tient à Ouazou. Les papes ne connaissent pas ce Ouazou une cassée. Qu'ils ont fait qu'ils ne connaissent pas ce Ouazou une cassée. Mais les papes ne connaissent pas Ouazou une cassée, c'est le doute. Il connaît Tiena Ouazou? Oui, ça c'est certitude. Donc, ça l'état de certitude là, il continue. Donc, à ce moment-là, il a envie de faire Ouazou, ça n'a pas un problème. Mais sinon, c'est sa principe là, il applique comme ça. À ce moment-là, l'exemple, ça c'est pas Cheikh Othaymine qui vient de donner ça, mais on peut donner un exemple qui, une pense tout là. Un exemple. Un petit bébé, une madame, il y a un petit bébé qui part pour lui. Une madame, lui donne. Un petit bébé boit du lait avec lui. Un petit bébé là, pas pour lui, hein? Un petit bébé qui n'a aucune relation avec lui. Mais je vois ce voisine, une madame. Il allait, ce voisine, il est malade dans l'hôpital. Il me disait que le petit bébé, ce voisine. Il fait allait ce petit bébé là. Alors, ce petit bébé là, ben, ça va dire, il y a divergence là. Et là, ben, ça va dire si une madame, il fait allait un enfant trois fois. Ça va là, il boit au ventre plein trois fois. Trois fois, il suffit pour que ce petit bébé-là vienne comme si c'était un enfant de lait. Prenez une conséquence, là. Il y en a qui disent cinq fois. Il fallait aller des enfants-là cinq fois. Les laisser ces enfants-là, les viennent sur propre. On va dire les viennent sur propres enfants. Les viennent sur enfants de lait. Les viennent, comment dire, mahram. Alors, qu'arrivait? Fait comment dire, madame, il y a un garçon. Ce voisin, il y a une fille. Sa madame qui est un garçon là, il a l'aide sa voisine là, ce petit fille. Demain, sa madame là, il a l'aide sa voisine là, ce petit fille, ce garçon peut avoir une demande contre sa petite fille là. Puis avoir une demande contre sa petite fille là. Et madame là, pas peut connaître, mais il a l'aide ses enfants là, trois fois, quatre fois, cinq fois, et pas peut connaître, pas peut rappeler, mais en tout cas plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une divergence entre les savants? Est-ce qu'il trois fois, les finis, les enfants là, finis, les propres enfants? Ou bien cinq fois. Il ne peut pas connaître pas trois fois, cinq fois. Alors, il y a une grande possibilité qui, comment dire, ses enfants-là, ils finissent à l'être libre, si pas quatre fois. Fait qu'on va dire à l'être libre quatre fois. Alors, là-bas, nous avons divergé. Qui fait, qui est arrivé là? S'il y a à l'être ses enfants-là quatre fois. Basant nos paroles qui trois fois, il suffit pour lui venir ses propres enfants. Ce enfant, pas pour gagner un avec sa fille-là. Ce garçon, pas pour gagner un avec sa fille-là.
Parce qu'il est finalité lui 4 fois. Et Saint Matava dit à 3 fois, il suffit pour que ses enfants-là viennent ses propres enfants. Donc, là, il y a un problème. Et là, ça va dire 5 fois. Alors, basant le cas où la parole qui 5 fois à l'été, là, il vient des enfants, là, il vient de ses enfants de lait. Mais le 4 fois, il ne peut pas mourir avec. Mais c'est une divergence. Alors, il n'y a pas un doute. Il y a cet élément de doute qui rentre en jeu. Alors, ben, quitteuse, pareil, un démon, il reste loin avec ben, quitteuse qui ne doute pas comme ça. Ben, quitteuse, dans ce sens-là, il reste loin avec ben, quitteuse qui n'a doute l'eau là. Alors, j'espère que je ne récite qu'on pense à l'exemple-là. Peut-être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, le principe, c'est que quitteuse qui n'a doute pour enlever quitteuse qui peut n'a doute. Car dans ce moment-là, il fait nous bénéficier avec ce qui nous fait écouter. Et s'il y a quelque chose, je vais avoir demandé le commentaire. Demain, Inch'Allah, l'explication que nous faisons faire qui peut-être n'est pas claire. Demain, Inch'Allah, nous repassons la question qui n'est pas claire. Demain, nous sommes capables, quand nous expliquons le hadith, nous répondons à la question que j'étais là, Inch'Allah. La question, je veux dire, c'est le hadith. Hein? Il n'est pas une session question-réponse. Hein? Mais c'est la question qui n'est pas claire, ce que nous venons expliquer aujourd'hui, mettez la commun. Et demain, Inch'Allah, quand nous faisons le hadith, nous répondons. Qu'Allah ce matin a fait nous bénéficier de toutes ceux qui nous disent qu'ils sont bons depuis moi. Et bien, c'est à faire Allah. Tout ce qui m'a dit, il est bon, il vient depuis Allah. Et tout ce qui n'est pas bon, il vient depuis moi. Tout est rien qu'un démon n'est capable de faire dans la parole. Il vient de dire qu'il fait rien. Et il fait ta bien, expliquer mon dit quelque chose, ça n'est pas bon. C'est un principe. Et comme il y a une parole qui dit, retourne vers la vérité. Les meilleurs qui nous persistent d'abord, naturellement. Nous persistons nos erreurs. Alors, nous besoin. Quand arrivé nous faire rien, nous faisons faire rien et nous corrigeons nos erreurs. Insan kulubani Adam khatta. Tous enfants Adam fait rien. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Et meilleur de ban qui fait rien, c'est ban qui fait tawba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et il fait nous rester sur le droit chemin. Il fait nous servir nous l'étendre à quelque chose qui bénéficie nous. Et il fait nous toujours faire des efforts pour continuer à apprendre ce dîn. Et pas laisser nous décourager, pas laisser nous perdre patience avec la quête de la connaissance et chemin vers le paradis, comme on finit de dire. كلا تلقوا لنهو أخي دعوانا الحمد لله رب العالمين